Salut tout le monde, c'est Angou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Tria Fusion. On est sur Xbox One et on va se faire une vidéo PPR, une vidéo détente. Pas de prise de tête ici, pas de vidéo découverte. En même temps, ça aurait été un petit peu difficile de vous faire une vidéo de découverte, enfin oui et non, bref, sur Trial Fusion. Alors pour ceux qui ne savent pas, Trial Fusion, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est un jeu de course d'obstacles, voilà, avec des motos, sur des circuits vraiment hardcore. Et aujourd'hui, eh bien, on va se faire une vidéo peinard sur le mode en ligne, sur le mode multijoueur. Et il faut savoir que je suis un gros noob, je suis nul, tout simplement parce que déjà, je me suis vraiment pas penché sur le mode multi. Et il faut savoir qu'à la sortie de ce jeu, pour la petite info, eh bien, il n'y avait pas de multijoueur. Ça a été greffé un peu plus tard, voire beaucoup plus tard d'ailleurs. J'étais un petit peu impatient, je regardais toutes les semaines voir si ça sortait jamais. Du coup, je me suis plus concentré sur la carrière, quoique je l'ai même pas fini la carrière. Bref, on est 5, vous voyez, de ce côté-là, rassurez-vous, le jeu n'est pas déserté. Donc il y a vraiment encore une communauté de joueurs assez importante. Et vous allez voir, ce que vous allez voir, c'est que d'aspect, ce jeu peut paraître facile d'accès. Alors il est facile d'accès, la prise en main est intuitive. Vous verrez, en 2 minutes, vous savez comment diriger votre moto. Par contre, il est technique. Franchement, il est technique. Il faut avoir une certaine habileté, une certaine connaissance du terrain et de la moto. Alors attendez, je vais prendre ce circuit. Et tiens, voilà, ça me fait penser que d'ailleurs les motos, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être un défaut du jeu. Et de toute manière, on va y revenir. Je vais faire une petite coupure histoire de vous éviter le chargement. Et on se retrouve sur la grille de départ. Allez, on est de retour. Alors là, on est contre de vrais joueurs. Hein. Derrière, c'est pas des fantômes enregistrés sur des chronos. Non, non, ils sont vraiment en ligne avec moi. C'est juste que sur ce circuit, alors je sais pas pourquoi, eh bien, il n'y a qu'une piste. Donc du coup, ils ont préféré les mettre en mode fantôme. Donc je vous disais, ce jeu est assez technique. Malgré que d'aspect comme ça, j'ai cru qu'il allait tomber, eh bien, il peut paraître un petit peu fou, un peu facile. Mais franchement, non, non, parce qu'il faut savoir que chaque moto, eh bien, est différente. Il y a des motos bien plus rapides, des motos plus lourdes, des motos plus, on va dire, faciles, plus légères et plus faciles à braquer, enfin bref. Alors j'ai pris celle-là plus pour le style, hein, parce que franchement, si vous êtes connaisseur, il faut vraiment adapter le circuit. Hop, c'est bon. Il faut vraiment adapter le circuit à la moto, et pas le contraire, la moto au circuit. Non, si, c'est ça. Il faut adapter la moto au circuit, voilà. Et parce que sinon, vous n'allez pas y arriver si vous voulez jouer en mode sérieux. Sinon, entre amis, j'ai jamais eu vraiment l'occasion. J'ai toujours joué en ligne. Mais franchement, ça peut donner lieu à de bonnes petites rigolades. Et mine de rien, je suis pas dernier. Je ne suis pas dernier. Allez, c'est reparti. De toute manière, ce que je vais faire, c'est que là, la première course, je vous la fais en mode normal. Après, ce que je ferai, eh bien, ce sera des petits montages. Voilà, petit accident dès le départ. Des petits montages de chaque circuit, de chaque moto. Histoire que quand même, même si c'est une vidéo détente, histoire quand même que vous voyez un petit peu de choses différentes et que ce soit pas trop long à regarder. Oh putain! Cette moto, elle est bien, franchement. Bah, elle a la gueule de la moto Trial, mais je sais pas si elle était vraiment adaptée. Bon, j'aurais peut-être pu prendre pire. Putain, là c'était sûr. Alors vraiment, il faut vraiment faire attention, hein, à l'atterrissage. Comment vos deux roues, votre roue arrive au sol. Comment vous réaccélérez au sol. Enfin bref, il y a tout un... Il y a quand même une certaine habitude à prendre. Hop, c'est parti, petit saut. De toute façon, là je suis dernier là, ouais. Le saut de la mort. Ouh. Oh non, 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 voilà. Et l'arrivée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur un autre circuit. A tout de suite. Allez, cette fois-ci, on est sur un quad. Et oui, les amis, il n'y a pas que des motos. Il y a aussi, alors pas des quads, je crois que c'est le seul quad d'ailleurs. Lui, il est vraiment... Vous voyez, pour celui-là, franchement, vous n'allez pas galérer. Il est très stable, il est assez lourd, mais du coup, je sais pas, je trouve il est assez stable, assez facile à prendre en main. D'ailleurs, on voit, il y a un autre joueur derrière qui a pris une moto. Donc, je pense qu'il va bien galérer.
Bon, en vrai, dans la vraie vie, hein, si vous cherchez un jeu de trial sérieux, c'est pas vraiment ça. Hein. Hop, hop, allez, allez, allez. On peut le voir quand même en haut, il y a une barre de progression qui, en fait, situe le joueur et les autres joueurs et également l'arrivée. Donc ça peut mettre un petit peu la pression de vous dire, ah, je suis pas très loin de l'arrivée, je vais le doubler. Et... Oh putain. Allez, allez, l'arrivée et petite gamelle. Petite gamelle de fou. Donc lui, ouais, lui il est en mode galère. En même temps, il a pris la moto, il fallait pas prendre la moto. Vous voyez, je vous en parlais juste avant. En fonction de la moto que vous prenez ou du véhicule, eh bien, vous allez plus ou moins bien réussir. Et là, ouais, concrètement, il fallait vraiment pas prendre une moto ici. Allez, allez, allez. Allez, on l'encourage les amis. Bon, trop tard. Allez, cette fois-ci, toujours en quad, mais sur, vous allez le voir, un circuit qui est vraiment juste super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, il est juste beau. Il est dans les détails, on va dire, c'est pas super détaillé. Mais le fait qu'on voie nos motos, enfin nos véhicules en noir comme ça, je trouve ça super beau. Hop là, allez. Et c'est reparti, tout le monde recommence. Ah non, mais il y en a un qui est passé, hein. Je sais pas si vous faites attention en haut, il y en a un qui a réussi à passer la boucle. Hop, c'est bon. Ah putain, c'est bon, ça passe. Alors on aime ou on aime pas, franchement c'est un jeu à essayer qui est pas super cher. Vous allez passer quand même beaucoup de temps dessus. En solo, il y a des médailles d'or, d'argent à obtenir en fonction du temps que vous faites, en fonction du chrono que vous faites. Et ça peut prendre un certain temps si vous comptez avoir toutes les médailles, si vous essayez bien sûr de jouer au mieux. Et puis bien sûr, quand vous avez fini le jeu, vous avez ce mode multijoueur qui est vraiment sympa. Hop. Ouais, en plus, franchement, je suis assez content de vous montrer ce circuit parce que je voulais qu'il tombe et on y arrive. Allez, on les encourage. Et je suis pas dernier encore une fois. Allez, on est de retour sur un nouveau circuit avec un nouveau véhicule. Et là c'est un peu spécial parce que j'ai sorti le vélo. Alors regardez le mec comment il pédale. Il est à fond dessus là. Oui, j'y vais. J'accélère. Et mine de rien je m'en sors plutôt bien là. Attendez, hop. Attendez, il faut quand même se concentrer parce que le vélo, là vous vous en rendez vraiment pas compte, mais il est juste incontrôlable. Il est super léger en fait. Putain, il a une accélération de fou. Alors attendez, oulala. Allez, moi j'adore comment il pédale comme un malade. Allez, je peux le faire. Putain. Ouais, en fait ce vélo est super puissant. C'est la force de mes jambes. Allez, vas-y, tu peux y arriver. La force de mes jambes et la légèreté d'une plume. C'est bon. Hop. Hop, attention. Là, je l'ai mal pris. Non, c'est bon, ça passe. Hop. Non. Allez, voilà, à tout moment vous pouvez appuyer en tout cas sur Xbox One, c'est sur B. À tout moment vous appuyez sur B et ça vous fait revenir entre guillemets au dernier checkpoint. Je sais pas trop comment ça se passe au niveau des checkpoints. Ils sont tous arrivés, je suis dernier là. En même temps, voilà, je vous disais et je le redis, il faut prendre la moto en fonction du circuit. Mais comme je les connais pas tous par cœur, je sais pas lequel est le meilleur. Là c'est surtout histoire de vous montrer le vélo. Le bon petit vieux vélo, bien sympathique. Hop. Et là, c'est pas bon. Il est trop léger le truc. Le truc est trop léger. Faut y aller doucement en fait. En fait, ça se trouve, je serais allé doucement. J'aurais pu. L'arrivée est juste là. Allez, c'est parti. Hop. Yes. Allez, on se retrouve. Je pense que ce sera pour moi la dernière course. Ou pas, je sais pas, on verra bien. Sur un nouveau circuit et avec une nouvelle gamelle. Avec une nouvelle moto. Donc voilà, grosso modo, ce petit jeu, il est vraiment bien. Il est vraiment sympa. Si vous voulez un petit peu sortir des sentiers battus de Mario Kart et tout ça, c'est pas le même délire, mais on s'y rapproche quand même, hein. C'est bien plus technique, bien plus mature. C'est bien plus pour les moteurs, quoi, vous voyez, pour les bikers. Attendez, ah putain, je suis dernier. De toute façon, je vous ai prévenu. Hein. Je vous ai prévenu que je vous montrerai pas un beau spectacle.
Passons, on s'en fout, on est là, on est bien, on est en mode vidéo délire. Allez, mais c'est pas possible. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Putain. Bon. Oh non, mais regardez-moi ces circuits. Bref. De toute façon, il y en a d'autres. Je vous montrerai pas tout et on va s'arrêter là. Il faut que le jeu vous le découvriez par vous-même quand même. Vous avez vu dans les grandes lignes à quoi il ressemblait, à quoi vous pouvez vous y attendre. C'est un jeu qui est fun, mais qui quand même demande une certaine prise en main, une certaine habilité, une certaine technique. Bref, vous m'avez compris, c'est un très bon jeu, Trial Fusion, hop, et à moindre coût, bref. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, putain je vais pas y arriver. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, portez-vous bien. Tchuss! Destruction de tour. Allez, salut tout le monde.